qui passe le bit. Je, le petit bouton en haut à droite qui me passe directement dans les trous, ça veut dire dans les fréquences bit. Puis l'autre modèle, c'est 3009 comme celle-ci, mais il y en a qui n'ont pas le RF cover, ils n'en ont pas le plus 10 kHz. Ils passent directement au canal 9. Donc celle-ci, pour moi, c'est un grand avantage. Moi, j'aime bien ce petit poste, il fonctionne à merveille, c'est un poste qui avance 5 ou 30 ans, mais elle n'est jamais tombée en panne, jamais, jamais, elle n'est pas trop poussée. Et je sais très bien, parce que tout le monde me dit, monsieur, depuis que je l'ai acheté, si jamais je mets la puissance ici dans le PWR à fond, la modulation n'est pas bonne, elle ne se porte pas, soit disant qu'il y a quelque chose à l'autre, la modulation n'est pas nickel. Par contre, j'ai fait une marque, j'ai marqué ici, j'ai fait une petite marque avec un truc blanc, et je sais quand je mets dans cette position vers le haut, et tout le monde m'a dit que c'est de nickel, c'est de top, c'est de bon radio, c'est compréhensible, alors je laisse comme ça. C'est pas beaucoup de puissance, moi je m'en fous. Le principal, c'est quand la propagande, la propagation elle est là, même avec 110 watts, on fait le monde entier. Ok, moi c'est l'ami Ulysse, à toi, à nouveau. Hachi, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence. C'est vrai que tes amis, ils ont pas tort, hein, parce que moi, ça me fait pareil, hein. Ça me fait pareil. Voilà, ok. Eh ben, écoute, tu vois, je suis en train de... Si ça t'amuse, là, voilà, je voulais te proposer, justement, je suis en train de faire une vidéo, là. Je suis en train de faire une vidéo, Antonio Mathias, là, tout de suite. Donc, ici, 14 Florida Romeo Sierra 1143, le centre de la France. Et puis, toi, tu es au Portugal, Mathias, Antonio Mathias, mon ami. Et donc, je suis en train de faire une vidéo. Et puis, si ça t'amuse... on peut la diffuser sur YouTube, et puis comme ça tu verras comment t'arrives ici, et puis si tu t'amuses avec le potentiomètre, justement, tu pourras voir exactement la différence qu'il y a quand tu bouges ton potentiomètre. Voilà, je sais pas si ça t'amuse, Antonio. Je peux la mettre sur YouTube, c'est de la bonne qualité. Et puis voilà, ça t'amuse ou pas, retour? Oui, on va le faire. J'ai mis 14 Alfa Romeo Sierra, mais j'ai pas mis le reste. Ok, j'ai pas mis le reste. Mais après, tu vas me répéter, s'il vous plaît, ton indicatif, parce que j'ai sur YouTube, si je mets 14 Alfa Romeo Sierra, et après le reste, je vais trouver. Ok, donc je vais m'amuser, écoute, je vais mettre à fond. Je vais mettre à fond, c'est toujours le même ici à Portugal. Là, je me trouve à fond, donc c'est vrai que tout le monde me dit la modulation, elle n'est pas correcte. Pas correcte, pas correcte et tout. Là, je suis à fond. Ok, et là, je vais mettre la puissance normale où tout le monde me dit que ça passe bien. Ok, j'ai fait un petit trait, comme ça, je sais que tout le monde écoute bien. Voilà, je suis. Là, en principe, il n'y a pas d'embrouille, tout le monde me copie bien, c'est de top. Par contre, je vais faire comme toi, je vais mettre à zéro puissance, zéro puissance. Je tourne à gauche, jusqu'à zéro. Là, je suis minimum, je ne sais pas si il m'écoute, à mon avis, il ne doit pas m'écouter. Comme tout à l'heure, 0,7 watts, je n'arrive pas à copier. Donc, je vais monter doucement, voilà, je vais mettre la position normale. Tout le monde me dit que ça va bien. Voilà, je suis, Ulysse, est-ce que tu as eu une énorme différence à plus et à moins? Est-ce que tu as eu une grande différence? Ah bah oui, ah bah ça, c'est du téléphone, hein. C'est du téléphone, Antonio, hein. C'est du téléphone, il n'y a pas de souci, hein. Alors c'est vrai qu'on voit une différence là, tu la verras, hein, sur la vidéo, hein. Voilà, j'ai fait une vidéo en haute définition. Je mets pas beaucoup de vidéos sur YouTube. Généralement, je mets du temps avant d'y arriver, parce que moi, l'informatique, c'est pas mon truc. Donc, je vais essayer de mettre ça dans la journée là. Et puis là, voilà, je suis toujours en train de filmer. J'ai résorbé le décalage en fréquence là. Tout à l'heure, j'étais, comme tu le verras sur la vidéo, hein, j'étais à 27 544 89 au lieu de 27 545. Voilà, mais bon, en FM, le décalage de modulation, c'est pas pareil. Hachi. Voilà, et bah écoute, y a aucun souci, c'est du téléphone. Voilà, je suis encore en train de filmer là.
Voilà, ça fait 4 minutes, 4 minutes 57. Voilà, tout à l'heure, j'ai compris que tu n'avais pas bien copié mon QRZ là. Donc ici, 14 Florida Romeo Sierra 1143. 14 FRS 1143. Est-ce que je peux te trouver en tapant Antonio Mathias? Est-ce que je peux te trouver sur Internet pour t'envoyer des emails quand j'aurai la vidéo qui sera bien mise sur YouTube? Retour, Antonio. Ok, je vais vite tourner parce que je n'ai pas eu, tu parles un peu vite. C'est 14 Florida Alfa Romeo, c'est ça, 14 Florida Alfa Romeo 1143, c'est correct, ok? Et tu me confirmes, donne-moi confirmation. Alors Antonio, mon ami, c'est presque ça. C'est presque ça, mais c'est pas ça. C'est 14 Florida Romeo Sierra 1143. 14 Foxtrot Romeo Sierra 1143. Il n'y a pas d'alpha, hein. Il n'y a pas d'alpha, hein. C'est 14 Florida Romeo Sierra 1143. Est-ce que c'est bien copié, Antonio? Et dis-moi ton QRZ aussi, s'il te plaît, là. Je l'ai pas copié, Hachi. Ah, c'est bon, 14 Foxtrot Romeo Sierra, 1143, c'est correct, tranquille, Olivier. Je vais tourner mon mail, ok, c'est facile comme vous, hein. Tourne Mathias, ok, tourne Mathias, je vais te corriger doucement, parce que comme ça, on va être tranquille tous les deux, parce que c'est le vrai téléphone. Tango, ok, j'espère que tu as quelque chose à marquer, ça commence, Tonio Mathias, c'est Tango, Oscar, Novembre, Echo, Mike, Alpha, Tango, Alpha, Sierra, arrobas, gmail.com. Je répète doucement, ok, je vais te lancer le temps. Gmail.com, ok, gmail.com. Je vais te répéter doucement. Tango, Oscar, November, Echo, Michael, Alpha, Tango, India, Alpha, Sierra, arrobas, gmail.com. Ok, mon ami Ulysse. Ok, alors tout de suite, je ne peux pas marquer, hein. Tout de suite, je ne peux pas marquer avec un crayon. Cependant, j'ai tout enregistré avec la vidéo, hein. Donc, je vais réécouter la vidéo, je vais relire la vidéo, et comme ça, je pourrais extraire ton adresse email, hein, de ma vidéo, là, puisque je prends tout en vidéo, là, tout de suite, hein. Voilà, il y a 7 minutes 55 là de vidéo tout de suite. Donc je pourrais retrouver ton email sans souci, hein. De toute manière, tu peux me retrouver aussi, hein, sur Internet, hein, en tapant mon QRZ, hein, 14 FRS 1143. Tu peux me retrouver très facilement, Antonio Mathias. Ok, mon ami, eh ben écoute, tu vas retrouver ta vidéo sur YouTube. Sans tarder, voilà, j'espère que ça te fera plaisir. Et puis peut-être que tu as pris tout ça en vidéo, si toi de ton côté, non, à toi. Non, je n'ai pas de vidéo ici, non, c'est pas grave. Ça me fait énormément plaisir. Tu fasses une petite vidéo, ça me fait énormément plaisir. Écoute, après c'est un moment, tu m'envoies un message, c'est la préparation, tu m'appelles, j'ai toujours le même numéro de téléphone qu'il faut, parce que le numéro de téléphone français, parce que tu es immigrant en France. Je donne moi un numéro comme ça, tu payes pour mon cours, tu m'appelles sur le français, sur le portable français. Et si à la préparation, je viens ici, je ferai en vidéo. À Messienne, parce que c'est du top. Hein. C'est vraiment du top, top à Messienne. Ok, Olivier. Allez, tu lis mon chiffre à vous, 73-51. Je souhaite que vous passiez un agréable fin de semaine, un bon dimanche. Ok, et un bon appétit quand vous allez passer à table. Ok, compagnie de votre famille. Allez, mon cher ami, Olivier. 73 et très bientôt, mais si vous coupez vos vidéos, ça me fera plaisir. Non, parce que moi, je vais couper ici le son et enfin la station, je le coupe et je vais à internet déjà trouver, pour voir si je trouve. Je vais voir le travail qui a mis déjà. Parce que moi j'ai 66 ans, écoute, et je ne connais rien en vidéo. C'est mon genre, c'est le mari de ma fille qui met, parce que je ne sais pas, il faut compacter, je ne sais pas quoi. Bon, je ne me demande pas comment ça se fait parce que je ne sais pas le faire. J'ai l'internet, j'ai tout, je sais m'amuser un petit peu sur l'internet, mais quand il faut installer des vidéos et tout ça, c'est pas mon truc.
Et à mon âge, maintenant, je n'apprendrai pas. Ciao, monsieur, mon ami Ulysse, et à très bientôt, mon cher ami. Ok, pas de souci, pas de souci. Bah écoute, si ça te fait plaisir, c'est le principal, hein. Par contre, je te garantis rien, hein. Je vais vraiment essayer de mettre ça sur YouTube, mais parfois je n'y arrive pas. Donc je te garantis rien, hein. Je ne te garantis rien, Antonio, hein. Je vais vraiment essayer de mettre ça sur YouTube. Comme ça, tu pourras te voir, hein. Tu pourras voir la grosse qualité de ta modulation, hein. Vraiment, il n'y a rien à toucher, hein. C'est vraiment super, Antonio Mathias. Allez, tu confirmes, hein, tu es du Portugal. Quel côté du Portugal, s'il te plaît? Et je suis à 50 km au nord de Porto, à 50 km au nord de Porto, de ma maison, une maison bien entendu, je suis tous les migrants, ils ont travaillé en France pour avoir la première chose, c'est une maison. Il y a ma maison qui se trouve à 100 km de l'océan Atlantique. Je suis vraiment pas loin de la mer. La mer est à 100 km de ma maison. Et c'est une grande plage, une des plus grosses plages du nord de Portugal, c'est Póvoa de Varzim. Je ne sais pas si tu vois sur la carte. Póvoa de Varzim, c'est à 35 km au nord de Porto. Et c'est la capitale du tourisme. On appelle ça la capitale du tourisme. Il y a un casino, casino pour jouer, pas un casino, faire des commissions. Non, non, ok, tu m'as compris. C'est vraiment une ville très, très touristique. Il y a toute une cité du monde qui vient passer la vacance ici. C'est balnéaire, c'est vraiment joli aujourd'hui. C'est vraiment, toujours, c'est vraiment joli, joli, joli. Ok, Ulysse, je sais pas si tu vois sur la carte. Si tu veux voir ma ville, tu marches Póvoa de Varzim. Ok, Póvoa de Varzim. Nord de Portugal, c'est entre Porto et Viana do Castelo. Ok, mon cher ami, allez, bonne journée et bon appétit. Ok, pas de souci. J'ai 100% là. J'ai le 100% là. J'ai tout pris. Y a aucun souci. Ok, bah il doit faire chaud là-bas. Ça doit être sympa là. Allez, écoute, les amitiés, les bonnes amitiés. 73 à toi et puis bon gastro, hein. Bon gastro solide. Allez, ciao, ciao, Antonio. Au plaisir de t'avoir et puis je t'envoie le lien de la vidéo YouTube, hein. Allez, 73 terminé, hein, je coupe, hein. Et bonne journée à vous, bonne gastro, et à bientôt, et à très bientôt. Merci pour vos vidéos et pour tout ce que vous avez fait. Ciao. De rien, ciao, ciao, ciao.